Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, en tout cas, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses, qui permet que je vienne, en tout cas aujourd'hui, pour m'adresser à vous. Donc, au Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Je dis un double honneur à la personne du Christ préméné, le Hamashiach, donc le Seigneur et le Sauveur que tu avais envoyé pour Israël. Donc frères, sœurs, partout vous êtes, au travers le monde, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, que le Créateur de toutes choses vous bénisse, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit, donc que votre être entier soit préservé sans faute, c'est-à-dire irrépréhensible jusqu'à l'avènement de son Fils. Donc, le petit partage aujourd'hui, comme vous pouvez voir le titre, Zulula 100 et Shorakwetu, le destin commun des deux ambitieux. Ok? Donc ici, je vais essayer un peu de passer en revue la démarche de ces deux individus. Ok? Donc en gros, pour ceux qui connaissent Zulula ou Shorakwetu, c'est deux prédicateurs de la parole, mais qui chacun dans son registre a entrepris ou va peut-être entreprendre, pour le cas de Zulula, la démarche ou l'initiative de faire sortir une Bible. Donc je pense que Shorakwetu l'a déjà fait, sa Bible elle est déjà sortie. Zulula, je pense que sa Bible est sur le point de sortir. Ok? Bon, je tiens à mettre en garde plusieurs personnes qui sont émotionnelles, ils comprennent pas ce que nous faisons. Ok? Je réagis, je fais une réaction, une analyse, étant que un consommateur. Ok? Je suis un consommateur, étant qu'un acheteur, parce que bon. C'est des produits qui sont mis sur le marché. Je ne sais pas si la Bible de Shora est en vente ou pas, mais bref, c'est quelque chose qui est mis sur le marché. Donc, je suis un consommateur. Ok? Maintenant, si c'est pour acheter, donc je serai un acheteur. Donc, j'ai le droit, pleinement, comme tout le monde, d'analyser un peu le bien fondé, de faire un peu les revues même de ces produits-là, qui pour Shorakwetu a été déjà mis au marché et pour Zulula qui sera mis au marché. Donc, personne ne peut, on va dire, m'accuser, étant que acheteur, étant que consommateur, de donner une opinion, ok, une analyse de des produits. Donc, pour moi, c'est des produits. Et voilà. Donc, pourquoi je veux parler de destin commun, des deux ambitieux? Commun, tout simplement parce que non seulement c'est des prédicateurs de la parole et aussi c'est deux personnes qui ont pris l'initiative comme ça de faire des Bibles, ok? Pour moi, je pense que c'est quand même des entreprises très très ambitieuses, ok? C'est pas une petite chose hein, de prendre aujourd'hui l'initiative de créer la Bible. Bon, c'est deux personnages différents et on va essayer un peu d'analyser ces deux démarches, chacune dans son registre. Bon, ce que vous devrez d'abord comprendre, ce que vous devrez d'abord comprendre, que aujourd'hui, je ne questionne pas pourquoi Shorakwetu va se lever un matin pour dire, voilà, je fais ma Bible. Je ne peux pas questionner cette décision. Ok? Je ne peux pas questionner que Zulula se réveille un matin, ses sentiments le poussent à dire, il crée sa Bible. Je ne peux pas même discuter sur cette décision. C'est son droit. De la même façon, je n'ai jamais questionné Louis Segond, je n'ai jamais questionné Darby. Je n'ai jamais questionné Abbé Crampon, je n'ai jamais questionné Parole de vie. Parce que ce que vous devrez comprendre, c'est que les traductions des Bibles sont faites soit par de simples individus, soit par des institutions
soit par des groupes d'individus. Donc on ne peut pas questionner. Maintenant, ce qu'on peut questionner, ça va être les objectifs, les raisons pour lesquelles quelqu'un ou un groupe d'individus ou une institution prendra l'initiative de sortir une Bible. C'est ça en fait. Donc, plusieurs personnes, comme j'ai compris, bon, je ne sais pas si ça manque un peu la faculté intellectuelle de réfléchir, ils viennent, ils mettent des commentaires qui n'ont rien à voir avec le sujet, qui n'ont rien à voir avec la démarche de la personne, mais qui viennent souvent défendre des individus avec des insultes, des choses comme ça. Vous voyez, c'est bas, c'est bas. Venez discuter sur la base des arguments, ok, sur ce que vous pouvez défendre et sur ce que la personne défend, ok. Maintenant, je vais essayer d'écouter un peu la raison qui a poussé Shorakwetu de faire sa Bible, ok. Et ce que j'ai compris, vous pouvez me corriger si je suis dans l'erreur, c'est que vous allez remarquer qu'il y a plusieurs traductions des Bibles. OK? Mais souvent, un traducteur fait une traduction pour répondre à une demande. Vous allez remarquer, par exemple, dans la traduction de la Bible Second, vous avez même pour un seul traducteur, plusieurs versions. Ça reste une, on va dire, si c'était une compagnie, ok? Par exemple, vous voyez, vous avez la voiture comme BMW, mais vous avez plusieurs versions de BMW, mais ça reste le même concessionnaire. Donc, vous allez remarquer que lui, second, a plusieurs versions. Maintenant, pourquoi plusieurs versions? Est-ce que ces versions-là sont faites parce que les premières sont mal traduites ou il y a un problème, ou on a différentes versions parce qu'elles répondent, ok, à une certaine demande. Ce que vous oubliez, ou encore ce qu'on vous a fait croire, la Bible c'est un livre historique. C'est un livre historique. Donc, et une personne qui prend l'initiative de soit faire une Bible, soit une révision d'une Bible, soit une nouvelle version, ça doit répondre à une certaine demande. Ça peut être soit une demande qui est culturelle, dans le sens où peut-être les mots ont évolué. Ça peut être une demande qui est linguistique, c'est-à-dire aujourd'hui nous parlons en français, en anglais. Si par exemple je veux rendre la parole de Dieu publique à comment dire, à un marché donné, par exemple le marché chinois, je serai obligé, ok, de faire une traduction en chinois. Donc il y a plusieurs demandes. Maintenant, quand maintenant une personne fait une traduction ou une Bible, il y a maintenant les objectifs. C'était quoi la raison? Ensuite, en faisant une révision, une traduction, nous devrons aller maintenant pour voir qu'est-ce que la personne a apporté de nouveau et qui doit être acceptable. Parce que il y a aussi derrière les traductions, les versions, une possibilité de ramener encore du faux. Maintenant, Shorakwetu, ok, va prendre la décision de faire sa Bible. Maintenant, avant d'abord que je lise, que je vous parle parce que j'ai suivi une vidéo, hein, j'ai essayé de faire un peu de recherche pour comprendre un peu sa propre explication, ok, que nous allons écouter puisqu'il l'a dit, ok, mais j'aimerais d'abord, avant tout, lire. Ok? Lire. Donc, ne vous fâchez pas avec Zulu là parce qu'il prend l'initiative de faire sa Bible. Il a le droit. C'est un commerçant, c'est un vendeur.
C'est Shorakotu, c'est un commerçant, c'est un vendeur. Ils mettent des produits, voilà, sur le marché. Donc, vous pouvez pas leur interdire, si, voilà, c'est quand même une initiative. Vous pouvez pas leur interdire. De la même façon, les Lui Segond, les Darby, c'était des commerçants, c'était des vendeurs, puisque leur Bible en achète. Donc, vous pouvez pas leur interdire ça. Voilà. Donc, c'est ça que vous devrez comprendre. Maintenant, on va maintenant aller, vous pouvez discuter sur les objectifs et sur le travail, sur les raisons d'une telle démarche. Donc avant, je vais d'abord lire ce qu'il faut. Il faut bien contextualiser le débat. Il faut bien placer le débat. Vous voyez, venez pas discuter sur voilà. Donc je vais essayer un peu de comprendre pour quelles raisons ces gens-là font des révisions ou encore sortent leur Bible. Mais comme il s'agit de la Bible, je vais quand même lire une parole. Donc je vais dans Ésaïe, chapitre 29, ok, dans la version, comme aime bien le dire frère Zulu, la classique moderne, puisque lui il a l'authentique. Donc je vais lire dans une version dite classique. Donc au chapitre 29, au verset 13, à partir du verset 13, là où il est écrit. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Ok? Donc, Shorakotu Zulu là, ils viennent, ils disent, ils viennent de Dieu, ils honorent Dieu. Ok? Donc, c'est de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. J'espère pas que le cœur de Zulu là est éloigné de Dieu. Le cœur de Kwetu est éloigné de Dieu. Je peux pas, je suis pas Dieu, c'est Dieu seul qui peut le savoir. Ok? Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ok? La crainte qu'il a de moi, de ce peuple-là, n'est que tradition humaine. Précepte de tradition humaine. Mais non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Si je vous dis que je suis un homme de Dieu et que j'aime Dieu, est-ce que prendre la décision de créer une Bible, est-ce que ça ne va pas être une décision qui est déterminée par une tradition humaine? C'est-à-dire quelqu'un peut décider de dire, bon, peut-être les mots ici ne sont pas ça, ou bref, ou c'est une décision venue de Dieu. Verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. C'est-à-dire les sages, okay, qui disent s'approcher de Dieu et l'honorer, okay, avec leur bouche et leurs lèvres, mais en réalité, leur cœur est éloigné. Donc, Dieu dit, il va frapper ces sages, ok, et ils vont périr. Et l'intelligence de ces hommes disparaîtra. Donc, prendre d'abord l'initiative de faire une Bible, vous devrez être intelligent. Parce que c'est quand même un gros travail. C'est un travail historique, puisque la Bible, c'est un livre historique. C'est un travail linguistique, scientifique. Donc, j'estime que Zulu là est assez intelligent. Shora est assez intelligent, académiquement. Ok, ils ont un degré de, comment dire, de scholarship, je sais pas, d'éducation assez acceptable pour entreprendre une initiative comme ça. Parce que écrire une Bible, il y a quand même des règles, voilà, grammaticales, il y a plein de choses. C'est pas un travail vain. Donc quand quelqu'un écrit une Bible ou prend une initiative comme ça, intellectuellement, c'est quand même quelqu'un à féliciter. C'est pas voilà quoi. Et si bien que vous verrez qu'il y a même des traductions des Bibles, ce n'est pas une seule personne, c'est un groupe d'individus. Donc, mais ici, on dit que l'intelligence de ces hommes intelligents va disparaître. OK? Le verset 15, malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel. Mais non, est-ce que il y a des intentions inavoué dans une démarche comme ça, des intentions ténébreuses pour un monsieur comme Shorakotu ou Zulu là de venir faire une Bible et de mettre le nom de Dieu
devant. On ne sait pas, nous on ne sait pas. Et c'est seulement Dieu qui sait. Nous, on va seulement analyser sur ce qu'on voit. Mais la parole dit, malheur à ceux qui cachent leur intention pour les dérober à l'Éternel, qui font les œuvres dans le ténèbre et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Donc, nous, on ne sait pas. On ne connaît pas les intentions derrière. Mais on va seulement analyser un peu les objectifs de tout un chacun pour essayer de comprendre. Le verset 16, où je veux m'arrêter. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? C'est qui le potier? Et l'argile, c'est qui? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Et cette vidéo-ci que je fais, c'est vrai que je dis Zulula et Shorako et tout, mais c'est valable pour les Darby, c'est valable pour toute autre personne qui ont pris l'initiative de soi-disant nous ramener des versions. Bon, maintenant, je vais essayer d'écouter Shorako et tout, parce que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Maintenant, attendez, je vais aller jouer la vidéo de Shorako et tout, dans laquelle lui-même il explique les raisons qui lui ont poussé à faire une révision. Ok? Et c'est une vidéo, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, le titre c'est BJC. Pourquoi cette révision de la Bible? Ok? Je l'ai tiré d'une page YouTube, question Bible, ok? Donc voilà, c'est bien, je raconte tout. Ce n'est pas la seule Bible que nous recommandons aux frères et sœurs. Voilà. Alléluia. Il y a des versions comme l'Osterwald, celle d'avant 1996, qui n'est pas mal. La version de la Martin aussi. Et la Bible de l'épée aussi, de 1540. Mais pourquoi cette révision? Parce que Dieu l'a demandé. Voilà. Et si Dieu demande. Donc, il dit pourquoi cette révision? Il dit parce que Dieu l'a demandé. Mais si quelqu'un se lève un matin, il vous dit que Dieu lui a demandé de faire une révision, vous allez discuter sur la base de quoi? Parce que vous n'étiez pas là. Vous ne pouvez pas discuter de cette décision. Ce que vous pouvez maintenant discuter, c'est d'aller dans le travail pour savoir les raisons. Okay? Et la démarche, vous allez un peu analyser. C'est ça, frère. Okay? Contextualiser le débat. Il dit, Dieu l'a demandé. Okay? On nous demande de faire quelque chose. Que devrions-nous faire? Si Dieu demande de faire quelque chose, vous allez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Amen. Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Donc, la première raison, c'est parce que Dieu l'a demandé. Voilà. La deuxième, la première raison, elle est spirituelle parce que c'est un ordre. C'est et un être ordre. Chrétien, c'est obéir à Dieu. Voilà. D'abord, Dieu dit, par exemple, tu ne tueras. Bref, vous pouvez suivre la vidéo. OK? Donc, ce monsieur vient, il dit, il fait sa révision parce que Dieu a demandé. Mais qui peut prouver qui dit la vérité ou qui ment? Parce que, vous voyez, quand déjà quelqu'un vient dire « Dieu, c'est fini », voilà. Il dit parce que Dieu a demandé cette version. Maintenant, la démarche de Shorako et tout répond à quelle demande? C'est quoi maintenant l'objectif? Pourquoi Dieu aurait demandé une révision de la Bible? Premièrement, j'ai suivi quelques vidéos dans lesquelles il dit d'autres traductions ont été mal traduites par rapport aux mots, tout ça là. Donc, il essaie de reviser une Bible en donnant des mots fidèlement par rapport à l'hébreu. Bon, mais non, moi je veux bien accepter. Mais je me dis, je sais pas, je connais pas Shorako et tout comme tel, je sais pas quelle étude académique il a fait. Ou quel diplôme, de quel institut il a de l'hébreu
du grec ou de l'araméen. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que entreprendre une démarche de revision sur la base de la langue, vous devrez maîtriser d'abord ces langues-là anciennes. Donc, vous prenez par exemple l'hébreu, mais il y a plusieurs sortes d'hébreu. Donc, est-ce que tu as d'abord premièrement une évidence que tu es parti étudier l'hébreu paléontologique ou archéologique, s'il faut dire, l'hébreu ancien, et que tu as maîtrisé même ces mots-là, afin de... Je ne sais même pas ce que tu vas faire une traduction ou une translittération. Je ne sais pas. Donc, pour moi, avant de décider d'une démarche comme ça, mais je dois d'abord maîtriser, quand je dis maîtriser, que j'ai une maîtrise parfaite des langues dites reculées avec laquelle la Bible serait écrite. Donc, est-ce que Shorakwetu maîtrise parfaitement l'hébreu, mais ancien, ou le araméen, ou le grec ancien? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, maintenant, c'est sur la base de ça que je veux faire mon argumentation. C'est sur la base de ça que je veux lui poser des questions. Maintenant, s'il me fournit, par exemple, les preuves qu'il a la maîtrise parfaite de l'hébreu ancien, il peut me le prouver. En ce moment, il dit faire une révision. Pour faire une révision, vous révisez quelque chose. Donc, il a révisé sur la base de quelle plateforme? Sur la base de quelle plateforme? Est-ce qu'il a révisé? Sur la base de quelle plateforme? Donc, s'il dit reviser une Bible, mais ok, tu revises une Bible. Aujourd'hui, les Bibles actuelles sont écrites sur la base de différents manuscrits, de différents codex. Donc, tu fais une révision sur la base de quel codex, sur la base de quel manuscrit, sur la base de quel texte. C'est ce que vous ne nous dites pas. C'est ça, en fait. C'est ça mes questions. Aujourd'hui, je peux apprendre, je vais dans une institution ici, j'apprends l'hébreu. Mais qu'est-ce qui me rassure que l'hébreu que je vais apprendre là, c'est l'hébreu archaïque? Qu'est-ce qui me rassure? Donc, il y a quand même une démarche scientifique dans le langage pour entreprendre. Parce que les mots aujourd'hui, les mots évoluent. Là, je ne suis pas dans la dimension spirituelle, je suis dans la dimension purement intellectuelle, on va dire ça comme ça, d'analyse. C'est ça en fait. Est-ce que tu as la maîtrise de ces langues-là parfaite? Tu peux nous présenter des preuves que oui, j'ai étudié ces langues. Voici les preuves. Ça, je ne sais pas. Mais non. Tu fais une révision en fonction de quoi? Pour répondre à quelle demande? Parce que, est-ce qu'il y a, il y a, il y a, il y a eu cette nécessité-là de... Mais tu fais encore une Bible en français, alors que si c'était même en Lingala ou dans une autre langue, j'aurais pu comprendre peut-être parce que dans nos langues-là, il n'y a pas vraiment cette popularité-là en termes des Bibles dans nos langues. Je peux comprendre, mais je me dis, bon, est-ce que mettre un produit comme ça dans le marché où il y a déjà plusieurs produits, est-ce que tu auras beaucoup de bénéfices? Je ne sais pas, j'essaie de réfléchir. C'est un peu ça. Mais au moins, c'est que Shorakwetu nous donne un peu sa démarche. Il dit que c'est Dieu. Bon, voilà, je ne sais pas. Est-ce que Dieu a dit, bon, ben, les Bibles actuelles, je pense que c'est pas ça, toi fais. Ça, je ne peux pas discuter. Mais c'est le fond. Pour répondre, c'est quoi les objectifs? C'est quoi la demande? Parce que, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, on peut toujours lire le français qui est reculé. Et les mots peut-être ne sont plus d'usage, ou encore les mots ont pris une nouvelle signification. Il y a peut-être comment cette volonté-là d'adapter les choses par rapport à ces réalités. C'est ça en fait. Bon, maintenant, ça c'est Shorakwetu. Et le frère Zulu là.
L'impression qu'il m'a donnée, quoique je ne sais pas si officiellement sa Bible est sortie, je ne pense pas, sinon on aurait su, peut-être qu'il est en train de l'écrire. Lui, il me donne l'impression qu'il est un peu dans un registre différent. Il n'est pas dans la révision, mais il dit apporter l'authenticité. Et j'ai comme l'impression qu'il nous fait comprendre qu'en réalité, la langue par laquelle la Bible elle a été écrite, c'est le douala. Mais ça m'a quand même bouleversé. Et dans son envolée, il parle un peu des histoires de... Si le douala est la langue authentique, je me dis, mais il y a quand même des grands intellectuels africains comme les Cheikh Anta Diop qui ont fait des études, qui ont fait des recherches, qui ont démontré à la surface de la terre entière, même les écritures, ils ont fait des études des hiéroglyphes, ils ont... Mais non, il y a aussi ce côté-là. Si le douala est la langue originelle, mais il doit quand même avoir des preuves scientifiques. Vous voyez, des gens qui sont en Europe, quand un scientifique là, c'est... Quand on utilise le mot scientifique, ne pensez pas que scientifique, vous avez l'idée de laboratoire, tout ça là. Non. Quand on parle de scientifique, c'est-à-dire, c'est des choses qui sont recherchées et qui sont admises académiquement parlant. C'est ça qu'on appelle, c'est ça la science, le savoir. Donc, le frère Zulu doit quand même nous prouver scientifiquement que la langue originelle, c'est quand même le douala. Il y a quand même, parce qu'il me donne l'impression qui maîtrise, je ne sais pas s'il a fait des études linguistiques en douala, je ne sais pas si c'est un spécialiste, mais il ne suffit pas juste, d'ailleurs même quand il vient, il nous montre son dictionnaire là, mais là par exemple j'ai un livre, c'est les deux Babylones, ok, Reverend Alexandre Islop. Donc tu as un dictionnaire, mais tu nous montres pas le titre du dictionnaire, quelle édition. Nous, on veut quand même aller acheter pour voir. Peut-être que la personne qui a fait le dictionnaire en douala, ça doit être un spécialiste du douala. Donc, il y a cette volonté-là, quand vous entreprenez une démarche comme ça, de donner des preuves aux gens. Voilà. Donc, si le douala est une langue, et la langue originelle, mais je sais pas, il devrait quand même avoir des preuves. Quand je fais mes recherches, je vois des langues qui datent des milliers d'années, tout ça là. Mais on a jamais, je sais pas, je sais peut-être que je suis pas tombé sur cette information. On n'a jamais parlé de douala. Donc, et s'il y avait cette possibilité là? Les choses évoluent, je ne sais pas. Il faut quand même ramener, quand même, c'est un grand combat. C'est un grand combat, il y a un grand travail. Et déjà quand vous faites une quand vous, ok, si quelque chose originellement existait par exemple en douala, mais quand vous mettez en français, c'est plus authentique. C'est plus authentique. Donc le mot là même, ça ne tient pas la route, c'est plus authentique. C'est une traduction ou même pour certains une translittération. Donc quand vous traduisez quelque chose, ça perd déjà même de sa spiritualité et ça perd déjà son sens. Bon, maintenant, le frère Zulu là dans sa démarche de nous dire, ça peut être vrai, moi je sais pas, ça peut être vrai, mais ça ne sera vrai qu'avec des preuves, pas avec des simples mots. Et dans sa démarche, il vient, il dit, il donne des noms des patriarches. Les Koudoumane, les Pélépélé, les Momo, des trucs comme ça. Qu'on ne retrouve nulle part, nulle part ailleurs au travers le monde. Nulle part. J'ai fait des recherches, j'ai vu aucun document où même... historiquement, même dans l'Afrique, je suis quand même allé à l'école. Beaucoup de gens sont allés à l'école. Il y a des intellectuels qui nous suivent.
Il n'y a aucun document, frère. Aucun document. Aucune preuve archéologique. Même seulement de 1000 ans. Où on mentionne même dans une langue étrangère, où on mentionne même Koudoumané, où on mentionne même les Mormors, les il n'y a aucun document. Même si vous dites que l'histoire a changé, l'homme blanc est venu tout changer. Il y a. Oh, mais mon père est né dans la période de la colonisation, il vit toujours. Vous dites, ouais, c'est les histoires de colonisation. Mais la colonisation, là, ça fait combien de temps? C'est quand on a commencé à être décolonisé, la période des indépendances, c'est les années 60, ça fait combien d'années? Je sais pas. Donc, moi, je veux bien croire que telle personne a la vérité. Je veux bien croire. Mais une vérité, ça se dit pas. Une vérité, ça se prouve. Une vérité, ça se prouve. Parce que celui qui vient, qui veut vous parler du nom, par exemple, de Salomon, Samson, mais ils ont quand même des preuves archéologiques de ces noms-là dans les artefacts, c'est-à-dire les œuvres d'art ou dans les peintures d'il y a 1000 ans, d'il y a 2000 ans, où on peut retrouver ces inscriptions-là. C'est ça en fait. Mais le frère, il donne des noms où personne n'a jamais entendu. Mais sincèrement parlant, mais réfléchissant, réfléchissant. Vous pensez que quand on change l'histoire, mais pour changer l'histoire, il faudra que la personne qui change possède l'histoire. La personne. Donc, je sais pas. Mais non. Le frère est dans sa démarche, hein. Moi, c'est tout ce que j'attends, c'est des preuves. Je veux bien croire que celui qu'on appelle le Christ Jésus s'appelait Koudoumané. Moi, je veux bien croire. Mais pas sur la base d'une simple déclaration que non, voilà, il s'appelle Koudoumané. Son vrai nom, c'est Koudoumané. Mais vrai nom Koudoumané, où? Montre-nous un seul document. Mais on doit quand même respecter la mémoire de ces grands intellectuels africains qui ont fait un grand travail. Les gens comme les Cheikh Konta Diop, les Théophile Obenga qui ont fait vraiment des. Mais il y a plusieurs personnes qui ont fait un grand travail. En tout cas, pour moi, aussi bête que je peux être, ça reste un peu une découverte qui me laisse un peu sur ma soif. Mais comme le frère est le seul à posséder peut-être ses Bibles authentiques. Ce roman, il dit qu'il fait une révision. Donc, il fait une révision sur la base de ce qui existe. Mais non, le frère, lui, ce n'est pas une révision. Il va vous sortir la version authentique. Une version authentique qui va être traduite en français. Le français qui n'est pas une langue authentique, ça veut dire que tu dois avoir la version authentique en Douala. Mais non, ta version authentique en Douala, je ne sais pas. C'est-à-dire, la première lettre là de la Bible, la première lettre de la Bible, ou même la première phrase de la Bible qui était écrite selon le frère en Douala, était écrite sur quel support? Sur la peau d'un animal? Sur un papyrus? Sur quoi? Est-ce que le frère possède la peau de l'animal avec toutes les inscriptions? Je sais pas. Est-ce qu'il possède des papyrus? Je sais pas. Est-ce qu'il possède des parchemins? Je sais pas. Mais ça te coûte quoi seulement de montrer? Ou tu peux peut-être posséder la version fidèle, mais qui est moderne au langage actuel. On ne sait pas. Mais pour le véritable amour, mais tu peux montrer. Moi, si, je sais pas, tu montres aux gens. Ah non. La Bible authentique, voilà, c'est écrit sur la peau d'un animal, voilà, mon grand-père m'avait laissé ça. On ne sait jamais, parce que quand j'étudie l'histoire, vous lisez même le livre de Maccabée, mais les livres de la loi, les gens enterraient. C'est pour cela que vous retrouvez souvent, il y a des découvertes, parce que ça a été caché.
Mais il se peut que le frère dans sa famille, il se peut que l'un de ses grands-grands arrière-arrière-arrière-grands-pères, ils ont gardé le livre de la loi. J'en sais rien. Il y a de ces possibilités là. Mais c'est à quel support? Voilà, un consommateur simple que je suis, j'essaie un peu d'analyser. Mais non. Le frère Chora fait sa Bible pour répondre à quelle demande? En faisant un peu cette analyse, je sais pas. Il aurait fait une Bible comme les Congolais en Lingala, j'aurais pu comprendre. Peut-être qu'il y a des mamans, il y a des papas qui peuvent peut-être lire le Lingala. Le français, c'est un peu compliqué. Je peux comprendre, voilà. Mais le marché en français est tellement inondé. Et ces gens-là, ils ont quel diplôme de ces langues-là? Je sais pas. Je sais pas. Bon, le frère Zulu dit que c'est la Bible en Douala. Le Douala, là, je parle pas. Donc, je peux même pas avoir une conversation en Douala avec lui. S'il parlait le Lingala, ou voilà, quand quelqu'un parle le Lingala qui est un peu ancien, oui, le Kikongo, oui, voilà. On peut peut-être le mettre un peu en conversation avec des gens. Bon, après, on me dira, ouais, c'est les histoires d'initiés ou initiés, quel initié? Initié en une langue? Oui, tu peux être initié en une langue, mais quand même. Donc, il n'y a aucun vestige historique, aucun vestige historique qui prouve sa théorie. C'est ça qui me... Non, aucun vestige historique. Donc, Chora fait sa Bible pour répondre à quelle demande? Est-ce que c'est une... Quelqu'un peut venir. Les gens font des traductions pour dire... Quelqu'un peut venir avec une démarche linguistique en disant, oui, les mots ont changé, on va peut-être adapter. OK? Je ne suis pas dans la démarche où je parle, les gens viennent faire des insertions pour tromper. Non, je ne suis pas... Je suis dans une démarche plus simplement académique, intellectuelle, de réflexion. La Bible de Chouraqouët répond à quel critère, à quelle demande? Et je dis, j'insiste, je questionnerai aussi toute autre personne. Pareil. Pareil. Parce que, vous voyez, quand vous ouvrez toutes les Bibles, ils vous disent toujours, traduite, ok? Traduite, attendez. Ils disent toujours, voilà. Vous voyez, ils disent toujours, ici par exemple, tradition œcuménique Tob, comprenant, ok, l'Ancien et le Nouveau Testament traduit sur les textes originaux. Mais bon, textes originaux là, c'est où? Donc, je dois aussi contacter le traducteur Tob là, ok, il y a l'adresse sur Paris. Je dois les appeler. D'ailleurs, c'est ce que je dois faire. Je dois les appeler pour qu'ils me disent où ils ont trouvé les textes originaux là. C'est ça. Ok, vous qui êtes en France, voilà, l'adresse elle est là. Ok, Biblio, Société Biblique Française, 5 Avenue des Érables, boîte postale 47, ok, 95 400 Villiers-les-Belles. Allez un peu leur demander, ok? Et les éditions du CERF, 29 boulevard Latour, Montbourg, c'est à Paris, 75 007, 75 007 Paris. Vous devrez les contacter pour vous dire où sont les textes originaux. Peut-être que eux, comme ils ont les textes originaux, mais eux, ils disent que ce sont les textes originaux grecs. Non, ils mettent même pas. Mais il y en a qui disent textes originaux grecs et hébreux, araméens. Le frère Zulu là nous parle des textes authentiques. Voilà. Donc, quelque part, nous, on veut que des preuves. On veut que des preuves. Donc, voilà. Moi, c'est mon analyse, j'essaie un peu de comprendre, mais pour quel objectif, quoi? J'essaie un peu de comprendre. Je serais encore fier que le frère Zulu la fasse une Bible, mais en Douala.
Parce qu'il y a plusieurs mamans qui sont peut-être pas à l'aise avec le français. Oui, ça, je peux comprendre. Mais encore en français, parler de l'authenticité, bon, je sais pas. Les histoires de Chora là. Bon, voilà. Maintenant, ça, on est resté dans la dimension académique.